こんばんは。Ça fait 5 ans que j'ai déménagé au Japon, mais la première fois que j'étais venu, c'était il y a 14 ans. Je venais chaque année 2 ou 3 mois. À la base, je suis réalisateur, donc j'ai fait déjà 3 longs métrages tournés au Japon. Et à côté de ça, je m'étais mis à la photographie il y a pile 10 ans, parce que j'ai cadré la plupart de mes films ou clips. Et donc du coup, c'était pour améliorer mon cadrage à la base, et puis je me suis mis à vraiment aimer la photo, et maintenant c'est 50-50, on va dire 60-40, d'accord, principalement vidéo. Moi, comme à la base, je suis dans la réalisation et puis aussi j'aime bien raconter des histoires parce que je suis venu à la réalisation de films parce que j'aimais écrire des scénarios qu'après j'ai eu envie de réaliser par moi-même. Donc du coup, pour moi, dans la photo aussi, j'aime bien qu'il y ait pouvoir ressentir une histoire derrière, c'est-à-dire quand on la regarde, qu'on puisse imaginer toute une histoire comme si c'était une scène d'un film en fait. Ça, c'est quand j'arrive à ressentir ça dans une photo que j'ai prise, tiens, là j'ai réussi à enfin obtenir le résultat que je voulais. Alors l'exposition d'aujourd'hui, ça fait pile 10 ans que j'ai commencé à travailler en tant que photographe. Donc dans le bar de Julien, j'ai décidé de recouvrir tous les murs de photos. Comme lui, en fait, les murs sont recouverts d'écritures et de dessins. Et donc du coup, j'ai pensé utiliser le même concept en recouvrant de photos. Donc j'ai pu prendre sur 10 ans. Donc il y a au moins 200 photos dedans. Une partie de mur, où là c'est vraiment des photos récentes. Je suis en train de faire deux séries, une qui s'appelle Tokyo Street Romance et une qui s'appelle Tokyo Wild Romance. La première, c'est des photos prises dans la rue, soit avec des modèles, soit avec des filles inconnues dans la rue à qui je demande si elles sont d'accord pour que je prenne leur photo. Et Wild Romance, c'est des photos plutôt érotiques prises à l'hôtel. Et ces photos-là sont que en noir et blanc. Voilà. Donc ça brasse beaucoup de thèmes et donc c'est principalement des femmes. Qui me plaît en photographie, c'est beaucoup des photos de femmes. Exprimer la beauté de la beauté. Voilà, la beauté des femmes, leur charme, tout un tas de choses. Alors déjà, il faut vraiment aimer la photographie et puis peut-être avoir bien choisir son thème de prédilection. Bon, moi par exemple, c'est les femmes, principalement femmes asiatiques aussi. Donc après, je pense une fois qu'on a trouvé le thème qu'on aime, on continue là-dedans et puis prendre un maximum. Enfin bon, moi j'avoue que je suis plutôt à prendre beaucoup. C'est pour ça que j'ai publié beaucoup de photos ce soir parce que voilà, j'ai eu du mal à choisir parmi tout ce que j'ai. Je peux comprendre tout à fait. Là. C'est dur. Hein. Il y en a énormément. Après, c'est surtout des inspirations au niveau des réalisateurs. Moi, c'est vraiment. Oui, je regarde plein de films. Sur la photo, c'est vrai que je connais pas tant de photographes que ça, à part Araki. Que j'aime beaucoup et puis c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis à faire des photos en noir et blanc dans un... J'aime bien aller dans des love hotels qui sont un peu vieillots, genre années 70, que j'aime bien l'époque Showa. Et beaucoup de Japonais disent pas que par rapport à mes photos érotiques, mais en général qu'il y a une ambiance Showa qui se ressent dans mes photos. Donc c'est pas forcément un fait exprès de ma part, mais c'est vrai que c'est une époque que j'aime beaucoup. Et sinon, comme réalisateur, il y a évidemment Kurosawa ou Kitano ou une vingtaine de réalisateurs de l'époque 40-60, il y a 70 ans à peu près. C'était vraiment bien, voilà. Et du coup, merci en tout cas pour cette petite interview. Alors, est-ce que vous pouvez trouver sur des réseaux sociaux Oui, alors j'ai une page Instagram sur laquelle je mets pas mal de photos. Et j'utilise surtout Facebook, Guillaume Tauvron 2. Guillaume Tauvron 2, d'accord. Ouais, parce que ma première page a été disparue. J'avais demandé à Facebook, ils n'ont jamais voulu me la remettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc voilà, c'est Guillaume Tauvron 2. D'accord. Et sur Instagram? Et je crois que c'est G Tauvron. Voilà. Oh, merci beaucoup. Ah, merci.